My enemy is tenacious. When money failed them, they took to force. But I have slain Johnson and Pitcairn both, ending their plots. George Washington now rallies the colonists, and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder, then, that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless, and he is an obstacle. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. But the more I prod, the greater the chance I am discovered. The Templars believe their men lost the revolution. In their eyes, the assassins are gone and scattered, no longer a threat. But I fear they will soon discover the truth, and me along with it. I must tread carefully. How fares the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people? Your struggle is the colonists' struggle. In helping one, you help the other. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake. I still do, but I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Then don't. But first, return the robe and the blade and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Return these, and then your words may have some merit. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed two men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York. Bon, heureusement, nous ne sommes pas contraints tout de suite. On a un petit peu de temps à nous tout seul dans l'open world et tout. Et bon, peu de dialogue marrant avec Achille et tout. Vous voyez, Connor et Achille, ils vont s'engueuler tout le temps, tout le long du jeu. Pour pas grand chose en plus, c'est ça qui est assez étrange. Et non, bah, j'ai pas grand chose à dire là pour le coup. Hein. Intérêt à voyager directement. Je vais aller sur un cheval, je sais pas si je pense pas avoir le cheval quand je vais voyager, mais bon, parce que je vais faire un voyage rapide à la frontière. Bon chien. Alors je m'en souviens plus cette histoire de la dinde, comment ça marche, le dindon. J'ai jamais fait en fait. Je crois qu'il fallait se mettre là et siffler en fait. Mais je sais pas trop comment ça marche en fait. Ah bah si, voilà. Et donc il y a un truc, donc ça c'est une dinde, voilà. Enfin, il lui donne à bouffer, mais ça il y en a partout dans la ville en fait. Sauf que elle nous suit en fait, voilà. Mais c'est que au domaine bien sûr. Sinon c'est voilà. Sauf qu'on peut pas tirer au, enfin. Casse-toi. Quoi, j'ai tué une dinde, qu'est-ce que tu m'engueules? Oh putain, sérieux.
Et nous voilà arrivés donc à New York pour traquer Thomas Hickey, nouvelle cible qui est un Templier, que l'on a vu au début du jeu avec Haytham. So what is your stake in all this? Same as yours. Peace, stability. A land in which all might live side by side, free and equal. Why not join the Brotherhood then? My father was an assassin. Quite good at his job too, as I understand it. But I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So, I chose to live in one. I understand. I still contribute as I can. That's why we're here now. La phrase qu'il a dit sur Peace, Stability, c'était exactement la phrase de Hamet, qui lui est un Templier, enfin exactement presque, et ça me fait marrer parce que voilà. Il parle de paix et stabilité, mais les assassins ont rarement apporté de la stabilité. Ce qu'a compris Ezio, d'ailleurs, je m'en souviens dans la lettre qu'il écrit à Claudia au début de Révélation, quand il dit que tous les efforts, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ne mènent qu'à une chose, le chaos. Et il a compris, hein, qu'en tant qu'assassin, bah, il apporterait le libre arbitre, certes, mais la stabilité, sûrement pas. D'où le combat assassin-templier qui demeure jusqu'à maintenant. Thomas Hickey. He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. Donc là, vous voyez New York, hein, déjà c'est très peuplé. Bon, putain, la base de l'animus qui se remplit grandement là. Profiter un petit peu de la ville, puisque je sais pas à quel moment ils vont recommencer à parler. Du coup, si je commence à parler, c'est un peu énervant. Moi, je dois m'arrêter direct. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à Boston. Hein. Ce débris là, on le voit partout, c'est toujours le même truc. Regarde, encore le même, hop là. There are rumors of bad bills being circulated here. No doubt they come from Thomas. What are you up to? This isn't money, it's colored paper. You've cheated me for the last time. God! Bon, lui s'est fait cramer, du coup on va le suivre. Ah, si je me souviens bien, c'est pas facile parce qu'il va y avoir des filatures à faire en chemin. Et si je me souviens que j'avais un peu galéré, du coup on... Du coup peut-être qu'il va falloir passer par les toits, je vais voir. Surtout qu'on a aucune, encore une fois, aucune faction pour nous aider. Ah voilà, donc là à partir de là... Ça risque d'être un petit peu chaud. Donc là, je sais bien, on arrive à New York, on est mis direct dans l'action là. Ah, il met du temps à bouger. Hein. En plus, la carte n'est pas explorée, du coup, je peux pas voir s'il y a des cachets ou des trucs comme ça. Bon, ici en tout cas on a un tas de foin. Ils se disputent avec un patriote. Ils se battent même. Tiens, eux ils en ont rien à faire les deux là, c'est assez drôle. Allez, reviens par là. Bah, j'aurais dû me cacher dès le début mais bon. J'étais plus exactement sûr de ce qu'il faisait. Sinon, je suis pas censé le savoir. Hein. Mais comment il peut me suspecter là? J'ai rien fait. Bon, remarque, je sors d'un tas de foin. Hein. C'est un petit peu spécial, tu me diras. Merde, mais il vient par là. Pourquoi il vient par là? On repart, je me suis foiré, mais c'est pas grave.
Alors, là je suis dans l'ambiance, la musique est assez envahissante, alors je fais gaffe. Là tu ne me vois pas, hein. Moi je te vois, mais toi tu me... dès que je fais ça j'ai compte à rebours, et dès que je fais ça je l'ai plus. Parce qu'on le voit sur l'écran quoi. Bon, ça commence à être un peu long là. Mais tant mieux, enfin c'est plutôt cool ça pour le coup sur deux missions. Bon, là il n'y a pas d'éléments particulièrement intéressants, mais ah voilà. Static if job, ça veut dire qu'il faut pas bouger. Donc lui il faut qu'il faut le prendre lui. Ah ben interrupt, désolé hein, mais c'est le seul moyen. Bon, c'est le garde qui m'a vu, mais je l'ignore, hein. Ça devient chaud là. Puis je sais pas ce qu'il y a, ce qu'il y a de suspicieux là, enfin je sais pas. Enfin, bon. C'est pas une zone interdite en fait, c'est ça le truc. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant on a eu quand même Johnson Assassin qui était assez cool et Pitcairn qui était cool. Malheureusement on arrive à la partie un peu moins cool. Alors niveau dialogue et histoire ça devient toujours aussi bien, voire de mieux en mieux. Mais en termes de mission d'assassinat, bah pff, là on a passé le meilleur et il n'y a plus grand chose malheureusement. Voilà. Alors voilà. Elle est vraiment longue cette filature, c'est un truc de malade. Ah, et puis là, il se cache pour laisser passer des patriotes. Je me demande si j'avais pas intérêt à me cacher moi aussi. Parce qu'ils sont pas gentils ceux-là. Vous ne me voyez pas. Non, je fais pipi, voilà. De foin là, je vais m'en servir. Donc Connor il bosse, hein, il bosse à suivre des gens là comme ça. Voilà. Alors maintenant c'est mobile is drop. Bon, par contre full, je sais pas ce qu'il considère full. Voilà, je monte, j'espère qu'on va pas me cramer, mais je m'en souviens que c'est un des moyens. Pff, merde, il m'a vu là. Non! Non! Vous ne me voyez pas! Oh putain, merde, c'est foutu là. Alors, oui, bah j'arrive, voilà, ouais, doucement. Putain, mais. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. Be worried about that business with the guards. I'm telling you, it's nothing. I haven't had a spot of trouble since I slipped away. Of course, I'm taking care to keep a distance. I can't believe we're really gonna do this. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings, then. Revolution. Bunch of troublemakers looking to upset the apple cart. Some fool filled their heads with rubbish, ruining it for the rest of us good folk. Good folk? Really? Of course. You and me and Hickey. Just some hard luck lads trying to survive. The whole cruel world. Ah, vous avez vu comment il faut un peu rusher de couverture en couverture?
Ouais, surtout là, quoi. Je suis obligé d'aller près d'eux parce qu'il n'y a vraiment pas de cachette et d'instinct, on n'a pas envie d'aller là. Mais là, il s'arrête direct après, quoi. Donc, c'est le seul moyen. Il fallait vraiment se coller. Et je me souviens que j'ai longtemps galéré. Cette mission-là. Vu comment j'ai dû aller près d'eux, quoi. Et là, je suis caché. Parce qu'en fait, le cercle est vraiment tout petit. C'est la seule cachette ici, quoi. Sauf si on passe peut-être par là-haut, effectivement. This Thomas Hickey might be. What's it to you? Huh. Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him. Alors c'est parti maintenant. Do not. Alors maintenant il faut bousculer personne. C'est assez drôle. Surtout qu'il bouscule automatiquement même si on n'appuie pas sur A. C'est faisable. En plus il jette l'argent et tout. Mais c'est faisable. Bon voilà. Je sais parce que je l'ai réussi sans cheater ou. Be still. You will do no more harm. You're a right fool meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee, and then... You are both under arrest! Oh, well, we were just having a scrap, officer. Ain't nothing wrong with, two men settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a... Quiet! What are the charges? Counterfeiting! I had nothing to do with that. Course not! Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... C'est fini, c'est un truc on the side. Donc vous avez vu Connor comment il fonce chez Thomas Hickey. C'est... La dernière 5 total? Bah non, bah bref. Quand il fonce, c'est il a la classe, ok, mais bon, ça montre comment c'est une brute, quoi, qui fonce dans le tas. You miss me, sweetheart. What? Nothing to say. If you are here, then Washington is safe. True. True. Thing is, I believe I've just been pardoned. Thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah, he's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, Charles. At once, sir. What are we gonna do? You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. Two birds with one stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What are you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks! I thought you was gonna handle that! We'll discuss this elsewhere. Bon, voilà Connor en prison. Thomas Hickey qui sort et bon, il y a une petite conversation à côté là, on dirait. On va écouter ce qu'ils disent. He's planning an escape. We should get in on it. Yeah. And what makes you think that? Caught him carving something in the yard. Slipped it in his pocket real quick when he saw me. Looked like a key. Probably just a shiv. Nah. Mason ain't a fighter. Always talking and tricking his way out of trouble. Weasel Weems, they call him. Sticky bastard. Come on, Finch. He's not so bad.
Even taught me some letters once. Gonna write a note to my lady. Ha! What for? You think that whore's out there pining for you? Saving herself for when you get out? Huh? No doubt she's already moved on to the next fella, and the fella after him. You shut your mouth before I shut it for you. Easy now. It was just a joke. Yeah? Well, it wasn't very funny. Alors c'est vrai que ce, la séquence du héros qui est enfermé en prison dans une cellule comme ça ou dans un jeu d'aventure, c'est alors on peut interact sur le lit ou on peut interact ici là. Je crois que ça ne sert à rien. Donc ouais, cette séquence du héros qui... Tu fais quoi? Tu fais pipi là? Think I would rather hold it in. Oui, bah c'est pas vraiment un jour tu vas rester là. Bref, c'est une séquence qui apparaît. Donc je pense que ça va être dans Metal Gear Solid la première, mais c'est vrai qu'après on l'a retrouvé dans plein d'autres jeux. Je vais pas les citer parce que ça risque d'être spoilé. Parfois il y a des jeux où on s'y attend pas, mais bon, je sais pas. Bon, typiquement dans Splinter Cell Double Agent aussi, ça c'est au début du jeu, donc ça te dérange pas. Et c'est souvent assez bien fait et c'est intéressant. Je trouve en général on est très très. Il y a un truc à faire. Get up! Where are we going? Do wish him my best. Stay out of trouble or you'll wind up in the pit. Moi souvent j'aime beaucoup des phases comme ça où t'as un héros en prison. Parce qu'en fait ils sont souvent bah ouais c'est un espace très fermé. Donc il y a pas grand chose à faire en termes de jeu, mais du coup ça joue sur l'ambiance et tout. Et là je sais que là c'est plutôt pas mal. I need to knock some sense into that thick head of yours. It's incredible any part of the old hall remains standing. I should try and find this Weems fellow. If he intends to escape, perhaps he can help me. Voilà. Ouais, me dis pas qu'on va être forcé de jouer à un mini-jeu là. Mason Weems? Could be. Say, what was the mile that the lion left? I need your help. Oh? They say you know a way out of here. They say a lot of things. I do not have time for games. Shame. As I was hoping you might play one with me. You'd think the piece there was a peer. Fine. Are you familiar with the rules? On t'oblige à jouer un truc comme ça dont tu n'as rien à foutre. C'est où la caméra tactique? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est le Maurice! Oh putain, pas ce jeu! Non, je croyais que c'était les dames. Je dis bon, ok, mais alors le Maurice 9 hommes. Oh putain! Seeing as you already know mine, what's your name? Connor. Pleased to meet you, Connor. Donc, puis je dois être en IA bien bâtard, le gars. Well played. So, what brings you to Bridewell? Treachery. I have been falsely accused. Of course you have. You do not believe me? Why should I? You have the look of a brute. You misjudge. I am an honest man. And yet, also a man imprisoned. Tell me how you found yourself in this place. It is a private matter. As is what you ask of me. I was trying to prevent a murder. Oh! Anyone I know? He was serving on a packet ship. George Washington. The others put you up to this, didn't they? Thought it might be fun to have another laugh at Mason's expense. Fools, a lot of them. To make light of something like this? George Washington is brave beyond measure. Loyal like a brother, peerless in character, and unshakable in his convictions. That man is our Jupiter Conservator. Destined to lead us not just to freedom, but greatness. Anyone who says otherwise is either a simpleton or a traitor. Then you understand why I need to get out of here. If I don't help him, he is going to die. You're serious, aren't you? No. Oh, while we're on the subject, did you meet with success in your hunt? Very well. But it's going to take some doing. See,
Everything hinges on the key I forged. But that lout Finch stole it. Took me 3 months to make the thing, too. You need to get it back, or we're not going anywhere. Consider it done. Donc on a toujours limité les morts des gardes, on doit pas tuer de gardes. Pardon. Ici ça ne passe pas, voilà. Ça ne sert à rien. Oh putain, on peut sprinter dans la prison, waouh. Alors, comment on va faire là? Faut remonter en fait. Je crois qu'on peut pas. Si, je peux remonter là. Bon, ok. C'est cool cette prison, hein. Tu te balades comme ça. Elle est là, Finch. Donc il faut lui voler la clé. Sans se faire cramer. Plus des patriotes, des soldats là. Merci. Ça va? Ça va être chaud de le voler là. Merde. Tiens, Connor, il pose bien ses pieds dans l'escalier. Attends, c'est impressionnant. C'est super rare ça. Bon, regardez, il met un pied là. Un pied là, ouais. Il met ses pieds sur les marches. Ça arrive jamais dans les jeux vidéo. Mais c'est que là, on voit bien ses pieds, du coup, ils ont fait un petit peu attention. Waouh, je suis bluffé. Bon, on va le suivre. Allez, bouge. C'est que s'il passe au milieu et que t'as le garde qui est pas content et qui me pousse parce qu'il a envie de me pousser, voilà. Ah oui, non, mais en fait, c'est comme tout à l'heure, quoi. Il faut le voler à quel endroit? Putain, et si j'étouffe le garde, c'est foutu. Il y a un 1, 2... Oh, remarque, c'est faisable parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai le droit d'en assommer 2 en plus. Il fallait dire de limiter les morts, mais c'est vrai qu'en théorie je les tue pas, surtout quand je. Quand je fais le. Comment on est les gardes d'ailleurs sinon? Ah là je vais pouvoir le. Quand il est fixe le volet, je crois que c'est pas possible. Donc il faut vraiment le voler entre maintenant et le moment où il va vers le garde quoi. Enfin. Ça va être là, il va aller tout droit, j'espère qu'il va aller tout droit là. Mais. Je suis depuis tout à l'heure. Allez. Je veux pas rater cette fois. En plus, il fait juste en discuter, quoi. Ah, l'escalier, parfait. Quoi? Oh, mais non! Oh, l'arnaque! Pour une fois qu'il y a une mission intéressante et pas trop cheatée. Là je reste caché quoi, mais. En plus il m'a même pas cramé quoi, c'est ça que je comprends pas. C'est comme tu peux pas marcher trop vite, t'as pas envie de lui foncer dessus. Je sais pas si je peux voler ou pas là. Moi j'ai l'habitude de voler en mouvement, mais bon. Là je me barre bien loin, ok. De toute façon, il s'aperçoit même pas qu'il s'est fait voler du coup, c'est pas ça. Je suis innocent. Oh, changement de caméra, je te jure. This key is useless. What are you looking at? You in the market for husband? C'est reparti. Alors à ce moment-là, bien sûr, Ethan sait que Connor est son fils. Bon, mais il sait aussi que c'est un assassin qui lui a foutu en l'air tout son plan en fur et à mesure. Et donc, bah, il est d'accord. Enfin, là, dans le jeu, ils ont dit il demande à Charles de régler ça. Alors qu'en vrai, c'est limite lui qui hésite pas à condamner son fils. Hein. Il hésite, justement.
Mais il a pas le choix, je veux dire, c'est un assassin, il le connaît à peine, et bon, bah, il est obligé de... Quand il a prendre des choix dans sa vie, il a préféré sa mission en tant que grand maître templier plutôt que l'amour paternel qui est au final inexistant. Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here, just not the way you expected. Then how? You're going to use it to get the real key off the warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work? He might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him. How do I reach the warden? Yes, this next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The warden oversees the pit. Getting sent there is the only way to reach him. I give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. One or two will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. We all have our part to play. Try not to die. Le mec, il avait tout son plan, il avait besoin juste du bouc émissaire, quoi, mais Connor, il le fait, bien sûr. Mais j'avoue que c'est un plan astucieux, là, c'est intéressant. Gentlemen, please. Là, je peux pas courir, là. Pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à mort. Mais arrêtez de me taper, j'ai rien fait. D'accord. La musique Fight Club. Allez. Oh, on peut que contrer, on peut pas les balancer. Dès que je rappuie sur B, il me contre. C'est vraiment amélioré le combat au corps à corps. Fancy yourself a troubling, eh? Some time in the pit to cool your blood. Give them some. Voilà, bon. Donc là, on est dans la fosse. C'est la même cellule, mais sans fenêtre. Swine, suckling at the teats of civilization, thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Do you repent and beg forgiveness? No. You elect instead to commit new and more terrible crimes inside what should be a place of rehabilitation. You bide your time, awaiting the day of release that you might corrupt anew. The worst part is that the good people of New York are forced, quite literally, to pay for your crimes. Le mec qui protège ses cellules de la manière la plus pourrie du monde. Je me mets devant et on me prend la clé. For your outfits, our wages? Resources wasted because you refuse to contribute to society. You would rather dwell at its margins, living off the hard work of others. We'd be doing everyone a favor if we simply put you all down. Then our money might be spent on more productive things. Elle bouge pas du tout, en fait. Bon. Need to take care not to raise the alarm. Ok, bonjour. Lui, c'est pas censé être lui qui a la clé. Alors là-bas, y'a rien, oui, parce qu'on est censé échanger la clé. Pff, attends, comment on passe?
Ah, c'est ça, il est là, lui? Bon, ok. C'est pas comment t'es arrivé là, mais ok. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. Oui, alors maintenant on va chercher Hickey. Oh putain. Bah attends, c'est pas du tout l'objectif de départ. Alors on est, moi je suis censé tuer un maximum de gardes. Il y a une limite de temps et en plus limite de... Bon attends. Attends, c'est qui m'avait cramé? Ah c'est toi là? Oh putain. Mais tu me fous un escalier moi. Bah là il va trouver le cadavre, alors que j'avais pas besoin parce que en fait si j'aurais dû prendre notre escalier directement ça marchait. Tous les gardes se ramènent en plus. Ah tu viens là toi? Bon. Ah mais 2 sur 2 c'est le max, moi je croyais qu'on pouvait arriver jusqu'à 2. Merde oui, faut remarquer que ça me paraît logique. Enfin, maintenant que j'y pense mais... Bon bah tant pis pour cette synchro totale. Hein. De toute façon je sais pas pourquoi je me priverais, c'est des gardiens de prison, c'est des connards. Il va falloir être anonyme. Du coup, vu que j'ai foiré la synchro, je vais me faire lui aussi. Hein. Un vrai plaisir. Voilà. C'est bon maintenant. On a trouvé Thomas Hickey. Not who you was expecting, am I right? What have we here? I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know, beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on and on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then. All those years ago, the child in the forest was you. I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. Ah, but what's done is done. Magnifique confrontation entre Charles Lee et Connor, c'est génial. Et c'est vrai que bon, pourquoi Assassin's Creed 3 je l'aime quand même, c'est pas pour Connor que ou l'assassin, c'est... Assassin's Creed, c'est pas que j'aime non plus les Templiers, j'aime le combat, j'aime l'affrontement, et c'est vraiment classe dans AC3, c'est le meilleur même, je pense, de toute la licence en termes d'écriture. Up with you. I said, get up. Walk.
Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is gonna be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Hatham saw to that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! Donc là, c'est l'arrivée à la potence. Il y a George Washington qui est là. Bon, Thomas Hickey à nos côtés. C'est vrai que Charles Lee a parlé de mensonges que Achille dit à Connor et d'histoires qu'il se raconte. Et ça, pour le coup, bah, on entend des lames d'assassins là. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que raconte Achille. Ouais, c'est... Et que le fait que Connor se raconte des histoires lui-même, c'est vrai, ça, on s'en est rendu compte. Bon, mais là, c'est vraiment sympa. Bon, c'est vrai que malheureusement, ils doivent s'en débarrasser, les Templiers. Donc là, on voit les assassins qui se postent. Comme quoi, bon, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas eu de jugement, c'est vrai, ça aussi. Et puis, il pleut. Du coup, ça place Charles Lee comme le grand méchant. You are not alone. Only give a cry when you need us. Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box, little else. Brothers, sisters, fellow patriots. Several days ago, we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed, what darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop, Hickey. Go! Là, toute cette action se joue au ralenti. Donc on va tuer les quelques milices là au passage. Pourquoi tu m'as pas fait un running assassination? Du coup je vais foirer à cause de toi. Bon bah tant pis, je cours sur Hickey. Même si c'est déjà mort en fait. J'ai l'impression. Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Hatham. They has the money. They has the power. That's the reason I threw him with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes.
Didn't bother to ask who, or how, or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. You, your hands will always be empty. At ease, Merc! At ease! I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the General can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop! He wanted to kill the Commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. C'est fini pour... Vous voyez qu'on est déjà à la séquence 8, ça va super vite en fin de compte.